Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans cet épisode 37 sur Fallout New Vegas. Alors, dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, on avait été un petit peu à Black Mountain, on s'était un petit peu perdu dans les landes de Black Mountain. J'ai malheureusement pas vu le PNJ, le follower que vous me vouliez que j'aille voir. Du coup, bah, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, hein. J'ai vu que dans les commentaires, vous m'aviez indiqué à peu près où est-ce qu'il était, ça c'est cool et je vous en remercie. En off, j'ai fait des petites choses. Comme on peut voir, je n'ai plus l'armure 45B, mais l'armure 51B. J'ai été récupérer l'armure sur les anciens cadavres où on nous avait demandé d'aller récupérer, comme ça s'appelle, les... zut! Les holoplaques. Voilà, du coup, j'ai été récupérer l'armure 51B. J'ai aussi acheté le casque, parce que c'est stylé. Et l'armure 45B, bah, je l'ai filée à Véronica. Regardez comment elle est belle. Alors, on va aller à Black Mountain. On va essayer d'aller trouver le fameux follower que vous m'avez indiqué, que j'ai vraiment, vraiment pas trouvé. Et après, bon, on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on fait avec Monsieur House. On verra ce que la suite de l'histoire avec Benny Oui Oui et tout ça, et tout ça. Faudrait aussi que je trouve une nouvelle armure. On voit un moment pour t'indiquer Assister, au parce que bout de bon, la. avoir marqué la confrérie de l'acier sur mon dos, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Et bien évidemment, en off, hein, comme d'habitude, je vends et je me restaure. Il y a tout le monde, ok, il y a E2 aussi qui suit. Alors, je crois qu'on m'a dit Black Mountain et non pas la grotte de Black Mountain. Bah, on verra de toute manière, c'est pas. Alors, on m'a dit que j'étais passé devant. Oh là 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 là. La prison. Oh. D'accord, bon, il y a des trucs un petit peu bizarres. Qu'est-ce que je pourrais vous piquer? Nécessite une clé? Mais j'ai pas tout récupéré toutes les clés. Comme si je n'avais pas assez de boulot à la con à faire ici. Tabitha veut que je me commence à tenir un journal de toutes les réparations que je fais. Donc voilà, la première entrée de mon journal. J'ai réparé plusieurs vieux terminaux abandonnés des bâtiments intacts. Dans le bâtiment intact, je me demande ce qu'elle va faire. Apparemment, les mutants ont attaqué une caravane aujourd'hui. Un de leurs fusils s'est enrayé. Il m'a fallu 7 minutes pour le réparer. D'accord, le mec en plus il se chronomètre. J'ai aussi entrepris un peu de maintenance sur la tour de diffusion dehors. C'était grisant de savoir que j'aurais pu enclencher un interrupteur et couper la diffusion de cette maudite radio. Elle m'aurait sûrement tué sur le champ, mais rien que pour voir sa tête, ça aurait valu le coup. Ah, le salaud. Le super mutant avec la cicatrice, celui que j'appelle Candle, s'est arrêté aujourd'hui et m'a demandé de réparer sa voiture. Oh.
Je lui dis que je ne connaissais rien d'automobile et j'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. D'accord. J'ai essayé de m'échapper aujourd'hui. Tabitha m'a fait tabasser par un de ces hommes quand ils m'ont attaqué, attrapé. Maintenant, ils m'enferment dans cette pièce à côté dès que je travaille plus sur quelque chose. Oh, j'ai aussi réparé un grille-pain. D'accord. Candle, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler Bougie, est encore venu me voir à propos de sa voiture. Il m'a même amené un bidon d'essence en demandant si ça pouvait aider. J'ai essayé de lui dire que c'était pas un problème d'essence, mais il a commencé à péter un plomb et m'a traîné dehors. Tabitha l'a tué elle-même avant que ça dégénère. Au moins, je n'entendrai plus parler de sa voiture de merde. Ok. Tabitha est venue aujourd'hui et m'a dit qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité. Elle a exigé que je change le verrouillage de ma porte pour ajouter un mot de passe grâce à l'un des ordinateurs que j'ai réparé. Je commence vraiment à regretter de m'en être occupé. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Enfin, 0, 12. Ok. Comme si quelqu'un s'intéresserait à ce que j'allais lire, ça. Quoi? Attends. Comme si quelqu'un que ça intéresse. Allez lire ça. Oula. Mot de passe de la prison. Et ben voilà, déverrouillé. Ah, c'est la goule réparatrice. D'accord, bon bah je pense que c'est lui le PNJ, hein. Voilà, ça fera plaisir à pas mal d'entre vous. Vous allez dire, enfin, putain, il l'a trouvé. Mais, ah, on s'en va fouiller. Oh, le quack. Hop, hop, hop. Ouais. Bon, on va te parler. Qu'est-ce que tu me veux? Il vous en a fallu tout temps. Bon, il peut y aller maintenant. Wouah, une goule et tout. Une goule avec l'accent de Mexico. Ah, c'est bon ça. Ça me va, profite. Ah, ta, 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 ta. Comment ça, il m'a fallu du temps? J'ai affaire à qui? Ça, vous pouvez réparer certaines de mes affaires, le mec, il va péter un game. Il m'appelle Raoul. Raoul Alfonso Tejada. Je suis mécanicien ici. Je suis mécanicien ici. Ah, j'adore. Ah, ce PNJ, il vend tellement du rêve. C'est tellement bon. Oh putain. Vraiment? Ah non. Non, boss. Je suis prisonnier de la super mutante avec la perruque et les lunettes. J'espérais que vous veniez me libérer. Mais je dois avouer qu'il n'y a rien d'une princesse. Ah, ça c'est clair. Comment ça m'a fallu du temps? Désolé. Je pensais que vous aviez affronté une horde de moutons et crocheté la serrure parce que vous aviez entendu mon appel à l'aide à la radio. Mais vous êtes peut-être simplement randonné. Dites, puisque... Très bien. Alors, je vais m'en aller. Seul. Tout seul. Sur ces terres pleines de dangers. Alors, vous seriez... Vous, voilà, voilà. Hop. Désolé, boss. Je vais bien aller me faire tuer à vos côtés, mais vous avez déjà de l'aide. Allez! Désolé. Ah! Bien sûr, boss. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? D'où tu viens? Je suis né à côté de Mexico. Ma famille avait une petite ranch là-bas. Ok. Considérez-moi comme un livre ouvert, boss. En espagnol, certes. Et auquel il manque quelques pages, mais ouvert quand même. Que... quel âge avez-vous? C'est quoi le Petro Chico? Vous ne connaissez pas Petro Chico, un amigo de Poseidon Energy? Ah, bien sûr que non. C'était une compagnie pétrolière mexicaine avant la guerre. Ah, d'accord. Bon, j'ai affaire à qui? Quel âge avez-vous? Assez pour avoir deux sous de bon sens, boss. Assez pour avoir deux sous de bon sens. D'accord, ils ont traduit ça par jugeote et eux, ils disent bon sens. Ok, ok. C'est vous qui... Ah, il va rester ici?
Ah, donc faudrait que je demande à un des deux de partir. Ouais. Oh, c'est vous. Vous avez besoin. Bien sûr, boss. Je serais ravi de prolonger ma captivité en resserrant des boulons pour vous. Pou, 5179 quoi. Oh la vache. Oh la vache. Oh merde. Et dis donc. Wow. Pour tout réparer, 25 000. 7 000 capsules. Oh là là. Donc il pourrait tout réparer, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Ouais, mais 5 000 capsules, je me retrouverai avec rien. Bah ok, bah c'est cool. Putain la vache. Ah ouais, je comprends maintenant pourquoi vous vouliez que je trouve ce PNJ. Ah, je comprends vraiment, hein. Bon, bah ok, c'est fait. Et Oh oh. Oh putain, le jeu il a frisé. Ah pff. Oh, je me suis chié dessus. Mais du coup, j'aimerais vraiment, 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 vraiment pouvoir monter par là. Difficile. J'ai 75, j'ai 70. Ce que je pourrais faire à la rigueur, c'est claquer un bouquin, mais je sais pas si c'est worth it ou pas. Donc, on va pas le faire. Donc voilà, pour le PNJ, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait aller faire les boomers, on pourrait aller faire... Ouais, c'est ça, on pourrait aller se taper les boomers, on pourrait aussi aller parler avec Jericho, ou alors on pourrait carrément se faire les mecs de la tôme, là, au street. Parce qu'on m'a dit que eux aussi... Ils avaient. Comment ça s'appelle? Une armure assistée. C'est pas le camp McCarran? On va aller voir là-bas. Pourquoi ils s'attaquent contre eux? Eh merde! Je m'en bats les couilles, elle se fait buter, moi je fais rien. Je fais rien. Je sais pas pourquoi vous vous êtes entretués comme ça, mais attends, stats, aptitude générale. Ah ouais, mais par contre, j'ai énormément de choses là. Hein. Ah ouais. J'aime bien l'armure qui cache un peu le visage, ça a l'air stylé. Hop. Alors, Révélation. Du coup, qu'est-ce qu'on va... Tiens. Viens ici, toi. Tiens, prends-moi ça.
Ah, j'ai pas de 357 magnum? Non, c'est sérieux? Lance-grenade, on s'en fout aussi. Ah, ça fait, ça crache aussi du 5,56, ça, hein. Qu'est-ce que je t'ai filé, moi? Allez, file-moi ça, 357 magnum, enfin. Vite fait. Hop. Ça va. Ah. On va quand même sauvegarder avant. Et on va rentrer dans... dans le truc maintenant. Ah, mais oui, mais c'est pour ça, putain. C'est pour ça qu'il nous attaque. C'est parce qu'on a une armure assistée. Eh ouais, ils ont vu l'armure de la confrérie. On va mettre l'abri. 22. Toi, bah, film. Ah putain, c'est vrai que je peux pas. Ah, ils attaquent à vue, ces enfoirés. Et merde. Bon, de toute manière, on a sauvegardé avant. Test. Ok, et si je mets ça, on va tester. Ah, direct, 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 direct. Ok, 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 on remet ça. Non, ça servait à rien. Ok. Bon, alors. Ok, faudrait toujours que je garde. Alors, je peux avoir le casque, je peux pas avoir l'armure. D'accord, bon, il va falloir tout le temps garder une vieille armure dégueulasse. Sur le côté. Mais par contre, que elle ait une armure avec un grand marqué, je suis de la confrérie. Ils s'en battent les couilles. C'est quoi, c'est Airport? D'accord. C'est un aéroport, ça. Côté de Vegas, pourquoi pas. Terminal, ah si c'est ça. Si c'est ça, d'accord. Ok, bon. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les... ce que nous disent les boomers. Parce qu'on a des, quand même des quêtes à faire avec eux, hein. Revenir voir au Benny Oui Oui, dire que les nains peuvent être ignorés. Déter les boomers à Benelis. Poser un mouchoir sur le point d'accès au réseau de données du Lucky 38 pour aider les disciples de l'Apocalypse. Ah, c'est ça que je dois faire, c'est aider les disciples de l'Apocalypse. Motel, ferme. Porte nord du strip. Ah ouais. Alors, on va aller au Lucky 38 poser tout ça. J'espère qu'on va pas se faire défoncer. Ah oui, c'est vrai, les gars. Bon, on va aller faire ça.
Oh non. Alors vous avez réussi à poser le mouchard sur le réseau de Monsieur Horst? Yep. On dirait qu'on a commencé à recevoir des signaux du réseau de la tour. 660. Je suis sûr que les autres vont en extraire quelque chose d'utile. Oh mais qu'est-ce que... Le mouchard a été déconnecté, bon sang! Ce vieux singe a pensé à tout. Ah, bien dirait que ça n'a servi à rien, mais merci quand même pour votre aide. Ah, dissime de l'apocalypse. Acceptez, les gens sont venus à vous apprécier pour votre nature serviable. Namatsa! Hop! Oh, salut! Merci encore de nous avoir aidés pour ces données. Ça n'aura duré que 30 secondes et sans grand profit, mais on aura essayé. Après deux essais, je crois que j'en ai assez appris. Je suis sûre que je pourrais être plus utile aux disciples dans un autre domaine. Oui, je ne vous en ai pas parlé la première fois. Je préférais éviter, si ça ne vous gêne pas. Je risquerais gros pour obtenir ces accès de vos données. Hein. C'est vrai. Le premier essai était moins professionnel. Quelqu'un d'important sur le strip avait accès à certaines technologies de House. Un sécuritron, pour être exact. Et pour être complète, ce quelqu'un était béni. Je sais, il vous a tiré dans la tête et tout. Mais c'était il y a un moment. Je savais qu'il était louche, mais je ne me doutais pas qu'il était capable de tuer de sang-froid. Ça non. Benny n'a presque rien dit. Mais il m'a laissé bricoler un peu. Au final, j'ai plus aidé Benny qu'il ne m'a aidé. Une fois qu'il a eu accès aux mémoires du Securitron, il m'a viré du TOPS. Étonnant, non? J'aurais dû voir le coup venir. Eh bien... Le Securitron était désactivé. Peut-être du fait d'une IEM, d'après certains dégâts. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé de le réactiver et de le relier au réseau de données de Monsieur House, en restant invisible depuis le réseau. Si Monsieur House détecte un Securitron autonome, il le crie à distance. J'ai eu du mal à contourner cette sécurité. Alors, t'arrives à détourner une sécurité pour un Securitron pour éviter que Monsieur House arrive à le griller à distance, mais t'arrives pas à poser un mouchoir qui reste plus de 30 secondes. Un mouchoir ou un mouchoir? Oh, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, mouchoir, voilà. Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, je me suis dit que ce serait pas une bonne idée de balancer un gros bonnet du strip. Je ne vous en parle que parce qu'il n'est plus là. D'accord. Pourquoi les données n'ont pas été utiles? Nous avons été connectés 30 secondes et avons reçu assez de données pour remplir 5 holodisques. On a réussi à déchiffrer ce charabia. C'était des données biométriques, les signaux vitaux de Monsieur House. Cette technologie est si avancée qu'il y a des centaines d'échantillons par seconde. C'est fascinant, mais déprimant. C'est 1000 fois trop complexe pour être applicable aux gens qu'on cherche à aider. D'accord. Ouais. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas en parler. Ouais, blablabla, ok. Hop. Depuis combien de temps vous faites partie des ici? Environ 5 ans. J'ai de la famille à Arroyo, mais c'est ici qu'on fait le meilleur travail. Les impôts de la RNC et l'inflation ont frappé durement les gens et la plupart de l'argent va à l'effort de guerre. Le BSI et les autres institutions ne reçoivent que plus d'argent pour les recherches médicales. Sauf si elles ont une application militaire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le coin? Je m'intéresse à la médecine, mais ce n'est pas mon point fort. J'essaie d'aider les disciples pour leurs problèmes d'informatique. C'est pour ça que je les aide à mener des recherches sur les technologies de Monsieur House. Enfin, que j'essaie. Ok. Environ. Ok. Alors, bon. Bon bah tant pis. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, tiens? Alors désolé hein, si cet épisode est un peu moins remué que les anciens, mais bon, je pense que c'est aussi le jeu que comme ça, donc voilà. Utilisez le jeton de platine pour découvrir le bunker secret de Fortification Hill. Retournez voir Benny Lewis, Monsieur House, ou le rendre infirme, rendre à César. Parlez à la réceptionniste du Gomorra au sujet des activités des Omerta. Allez au fort et entrez dans le bunker caché de Monsieur House. Ah ouais.
S'il est toujours en vie, ramenez Ted à son père. Hein, se renseigner à l'Ultralux au sujet de la disparition de Ted. Aider les boomers à Nellis. Bon, on va aller faire les boomers. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, faut qu'on aille voir la grand-mère, je pense. Ah, for fuck's sake. Ah, merde. Oh, tirez pas, les loups, tirez pas, tirez pas, tirez pas. Attention, vous mettez les pieds. Alors, la grand-mère nous avait demandé de dire quoi? Je m'en souviens même plus. Elle était pas là, la grand-mère? Et merde. bon bah on va aller voir son bras droit. Miss Portail. Hello. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, autre chose pour lequel je pourrais être utile. La prochaine fois que vous quitterez Nellis, essayez de trouver des missiles. On n'a plus que 5 années de réserve. Péta la missile de Nellis. Entendu. Revenez me voir quand vous en aurez. Ok, donc dès que je trouve des missiles, je peux tout lui envoyer. Que 5 années de réserve. Je sais même plus où elle est, la grand-mère. Pourquoi tout est fermé ici? D'accord, donc c'est que du décor. On va aller voir là-bas. Ok. Ok. Hop. Non, me dis pas que c'est que du décor ici. Je me souviens des caravanes. Enfin, pas des caravanes, mais. Ah ah ah. Porte de la serre. C'est pas une porte, ça. C'est une porte de garage, mais on peut pas rentrer. Porte de serre. Ah, si on peut entrer, bon. Ski. Soir. D'accord. Je suis un peu paumé, je suis désolé. Mais bon, j'aimerais quand même une mission, quoi. Wouah! Oh là là! Mais ouais, je les avais trouvés, les. Putain, j'avais trouvé un truc où il y avait un médecin et tout. Par là, je sais pas. Véronica qui a l'air un peu paumée là-bas. Bon, on va aller par là, hein. Peut-être que eux ils marchent finalement. Je leur ai coupé l'électricité en mode Pearl. Bon, t'es où, Pearl?
Ah, allez, vas-y. Comment se passe votre séjour? Dites-moi ce que pensent de moi les gens. J'ai peut-être entendu un ou deux compliments, mais rien d'extraordinaire. Ok. Hop. Tous nos responsables aimeraient un coup de main pour régler divers problèmes ici, à Nilis. Ok. Allez voir Jack, Loyal, Raquel et Argil. Ils vous indiqueront de quoi il s'agit. Jack, Loyal, blablabla, blablabla. Ok, bon. Quand même à essayer de se trouver une quête. Je vois le temps qui défile. Bon, dès qu'on a trouvé une quête, j'arrêterai la vidéo ici. Alors, vers l'école de Nélis. Station médicale. What the fuck? Ok. Salut. Raberry 34. C'est l'aéroport, ça. Ah putain, c'est l'histoire des boomers. Alors ils sont sortis de l'abri 34. Ils ont défoncé du monde. Ils sont arrivés ici. Ils ont fait ça. Hello. Après ils se sont entraînés aux avions. Et ça je sais pas c'est quoi. Ok. Bon bah écoutez, moi je vais arrêter ici. La prochaine fois, on en saura un peu plus sur l'histoire des boomers. En tout cas, bah, comme d'habitude, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!